Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce vendredi 25 juin 2021 par visioconférence le conseil de ministres de ce jour. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. 1. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté sur la rencontre bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et les présidents de la République du Rwanda. Ce vendredi 25 juin 2021, le président de la République s'est rendu à Gisenyi au Rwanda pour rencontrer son homologue rwandais. Dans cette ville frontalière de la ville de Goma, les chefs de l'État a constaté à côté de son homologue les dégâts causés par le séisme consécutif à l'éruption du Nyiragongo. Il était aussi question de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est samedi 26 juin 2021. Le président de la République accueillera son homologue rwandais à Goma. Ensemble, ils présideront la cérémonie des signatures d'un certain nombre d'accords liant nos deux pays. Le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé qu'il y a quelques jours, le chef de l'État avait fait le même exercice de renforcement de relations bilatérales avec son homologue ougandais. Avant de clore sa communication, le Premier ministre a tenu à présenter au nom du gouvernement ses sincères condoléances au président de la République pour les décès survenus ces derniers jours dans son cabinet ainsi que dans sa famille biologique. Point 2, point d'information. Présentant la situation de l'état du territoire national, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est revenu sur quelques faits saillants parmi lesquels l'installation du président de la République à Goma dans la province du Nord-Kivu pour suivre de près les opérations lancées dans le cadre de l'état de siège et évaluer de manière régulière l'assistance humanitaire apportée aux populations déplacées à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. Les banditismes et la criminalité dans les grandes agglomérations, dont Kinshasa, Kolwezi et Matadi, ou des cas de vols, braquages, justice populaire, enlèvements suivis des demandes de rançons et de meurtres ont été enregistrés. Les instructions du gouvernement ont été données au commissaire général de la police nationale congolaise pour intensifier les opérations de traque contre les acteurs de ces actes qui devraient en répondre. De mouvements de grève déclenchés par les enseignants de certaines écoles conventionnées catholiques et officielles réclamant l'amélioration de leurs conditions de travail et le paiement de nouvelles unités, dont ceux de la province du Haut-Katanga. En revanche, ceux de Pendjoa dans les territoires de Kiri en province de Maïndombe observent un arrêt de travail pour exiger les paiements de 3 mois d'arriéré de salaire. Le gouvernement reste préoccupé par ces problèmes sociaux auxquels les citoyens congolais sont confrontés et rassure que des solutions sont en voie d'être trouvées. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant représenté par la vice-ministre est revenu principalement sur la poursuite des opérations militaires en profondeur, en Ituri et dans le Nord Kivu, contre tous les groupes armés réfractaires au processus du désarmement volontaire. Des opérations sont également en cours d'exécution dans le Sud Kivu et dans le Tanganyika. En province du Nord Kivu, la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo a entraîné notamment la reddition de plus d'une centaine de miliciens de divers groupes armés dans les territoires de Masisi. Le 21 juin 2021, 134 anciens combattants de groupes armés, dont 50 Nyatura CMC, 47 Nyatura APCLS de Janvier Karaeri et 5 FDLR FOCA ont été évacués vers Goma pour une adhésion au processus de désarmement, démobilisation, insertion communautaire et stabilité. Leurs armes et munitions ont été récupérés et ramenés à la base logistique régionale.
Le travail se poursuit sur terrain et d'autres redditions sont en gestation, telles qu'au village de Luofu, groupement Tama, chefferie Bamaté en territoire de Lubero. Des affrontements et à opposé, les forces armées de la République démocratique du Congo, aux miliciens APCLS, le 19 juin 2021 au village d'Ouwa, dans la localité de Mouindi, groupement Bafouna, secteur Osobanyungu en territoire de Massissi. 6 miliciens ont été neutralisés et 11 autres ont été capturés. Les gouverneurs militaires ont lancé le même jour les opérations de ratissage du parc national des Virunga, considéré comme le refuge de plusieurs groupes armés afin de démanteler les bastions de rebelles hutu-rwandais FDLR. En province du Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont démantelé à Minembwe un réseau de trafic d'armes et de munitions de guerre mis en place par les combattants Tuiranéo des Sieur Ugunda alias Makanika. Toutes les armes et munitions ont été récupérées. Le 341e bataillon a frappé et détruit quatre positions de Maïmaï Bouiroua et Mouenye Mali dans la localité de Rudaga, groupant les Mera dans la plaine de la Ruzizi. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent la fouille du terrain à la recherche des terroristes ADF depuis les incursions à Boga en territoire d'Irumu. Dans ce cadre, une offensive contre les ADF le 20 juin dernier a permis de libérer 12 otages dans la profondeur en chefferie Bahema Boga. En territoire des Djougou, 10 otages parmi les personnes enlevées par les ADF MTM le 17 juin 2021 ont été relâchés le 19 juin 2021 au Graben dans l'axe sud. Le 20 juin 2021, les forces loyalistes ont fait échec à une tentative d'occupation de Kilo Centre par environ 200 miliciens Codeco armés. Au point 3, au chapitre de points d'information du Conseil de ministres de ce jour, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation générale de la pandémie à Covid-19. Il en ressort que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls de cas est de 38 936, dont 38 935 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 896 décès et 28 115 personnes guéries. En ce qui concerne Kinshasa, épicentre de l'épidémie, il a également annoncé que l'hôpital du cinquantenaire, avec ses 250 lits, a été réquisitionné pour renforcer la capacité d'accueil de malades touchés par ces virus. De même, par rapport aux examens de laboratoire, qui sont passés d'une moyenne de 500 à plus de 2000 échantillons par jour, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a proposé des mesures suivantes. L'achat en urgence des milliers de prélèvements et des réactifs de laboratoire, tests y compris, la réouverture du centre de traitement Covid-19 de l'hôpital du cinquantenaire qui peut abriter plus de 250 malades, une commande supplémentaire en oxygène pour fournir les hôpitaux non planifiés mais qui reçoivent le malade à Covid-19, l'intensification de la vaccination contre la Covid-19 en général dans les camps et milieux carcéraux en particulier. En ce qui concerne la vaccination, il a été indiqué que sur un total de 498 sites prévus, 268 sites sont actuellement fonctionnels à travers 8 provinces ciblées. Au 21 juin 2021, les statistiques rapportent que 44 840 personnes ont été vaccinées, dont 74% d'hommes, 26% de femmes. 69% parmi les vaccinés ont moins de 55 ans et 31% ont plus que 55 ans. La vaccination est aujourd'hui un élément majeur de la riposte. 5,9 millions de doses d'autres types qu'AstraZeneca, dont Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson, sont attendues dans les prochains jours. Le gouvernement a accentué la communication sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières et les autres mesures édictées au dernier Conseil de ministres. Le ministre de la Santé publique a annoncé qu'il ira se faire vacciner avec quelques membres du gouvernement le 1er juillet prochain. Quant à la grève du personnel de santé, non médecins et administratifs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention
a annoncé au Conseil qu'un compromis a été trouvé entre son ministère, les ministères du budget et les syndicats. Au point 4 sur ces chapitres, rapport sur la célébration de la Journée nationale du poisson le 24 juin 2021. Selon le rapport présenté au Conseil des ministres par le ministre de la Pêche et Élevage, la Journée nationale du poisson, dédiée aux pêcheurs, aux pisciculteurs et à tous les différents intervenants impliqués dans les filières pêche et aquaculture, a été célébrée dans la sobriété et dans un double contexte, à savoir la crise sanitaire créée par la pandémie à Covid-19 ainsi que la gestion de la suite à donner aux engagements pris par le président de la République lors de sa rencontre avec les pêcheurs du Poule Malébo le 7 mars 2021 dernier. À cette occasion, un lot important d'intras de pêche, quelques moteurs hors bord ont été distribués aux différents campements des pêcheurs du Poule Malébo en vue de relancer la production halieutique. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, des réponses ont été apportées au cahier des charges de pêcheurs qui lui avait été soumis. S'agissant de la restitution du port de Kinkole aux pêcheurs, celle-ci est déjà effective. Sa délimitation est déjà faite par les services du cadastre et d'autres dispositions légales à la matière sont en train d'être exécutées. En ce qui concerne la relance de l'Office national de la pêche, ONP, le projet de décret de création de cette structure a déjà été transmis par le service de la présidence de la République au cabinet du Premier ministre pour compétence. Quant à la restauration de la date du 24 juin, ainsi que la réhabilitation de la route nationale numéro 1 vers le port de Kinkole, les deux dossiers ont été transmis au ministre concerné. Le ministre de la Pêche et Élevage a souligné que le gouvernement compte construire en urgence un débarcadère intégré où il y aura la chaîne de froid pour la conservation des poissons, les marchés de poissons, ainsi qu'un dispensaire pour les pêcheurs. Au point 5, toujours sur ce chapitre de points d'information, le ministre de la Solidarité, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a fait le point sur le rapport intérimaire de la situation humanitaire à Goma à la suite de l'éruption du Nyiragongo le 22 mai dernier. Il en ressort que 247 352 personnes, représentant 41 225 ménages, s'étaient déplacées de la ville de Goma pour trouver refuge ailleurs. 8 198 personnes ont perdu leur maison, dont 2 519 locataires. 31 personnes ont perdu leur vie, dont 7 lors de l'évacuation de la ville, et 24 personnes ont été calcinées par les laves. 170 enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. 10 écoles et 4 centres de santé ont été détruits. La route reliant Goma et les territoires de Rutshuru a été coupée par la lave sur 1300 mètres et une partie de la ville a été privée d'eau et d'électricité. La réponse humanitaire d'urgence du gouvernement a porté notamment sur un appui en vivres de 446 tonnes, la construction de 1000 abris temporaires par le corps du génie militaire, l'organisation des opérations de secours et de sauvetage, ainsi que ceux du retour des 14 561 personnes déplacées de leur lieu de refuge vers la ville de Goma. D'après le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, un de grands défis en présence reste la mobilisation de ressources devant soutenir les activités des relèvements de communautés touchées jusqu'à leur réhabilitation complète. Il a également souligné les apports en vivres de la République du Kenya, de la République du Congo, des Émirats arabes unis pour un total de 157 tonnes. L'intervention humanitaire du Japon et celle de la première dame, de la distinguée première dame, ont également été cités. Un travail de planification est à pied d'œuvre pour dégager les gaps à couvrir pour les besoins en vivres de sinistrés pour la période de 3 mois à venir. Le troisième point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour a porté sur l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises
lors de sa 8e réunion tenue le vendredi 18 juin dernier. Point 4. Examen et adoption de deux dossiers. 4.1. De la mise à jour des résultats des concertations sur la révision de tarifs des services aériens. Le ministre de l'Économie nationale a présenté aux membres du gouvernement les résultats des concertations sur la révision des tarifs des services aériens en République démocratique du Congo. Ces travaux, réunissant les opérateurs du secteur, l'autorité de l'aviation civile et la régie des voies aériennes, ont passé au crible la structure des prix de billets d'avion et du fret aérien. Il en ressort que la fiscalité et la parafiscalité supportées par le passager actuellement représentent jusqu'à 54% du prix final du billet. En plus de ces prélèvements, le passager supporte aussi la taxe statistique de 5$, la taxe IDF dite GoPass de 10$, ainsi que les frais liés au test Covid-19 fixés à 30$. L'analyse de tous ces prélèvements indique que certains sont redondants, alors que d'autres n'ont aucune contrepartie avérée. Dans ces dialogues francs et sincères, les opérateurs ont évoqué la non-conformité de pistes d'atterrissage qui entraînent une usure accélérée de leurs appareils, particulièrement les pneus et les freins. Ils ont par conséquent sollicité du gouvernement de la République un allègement des droits de douane à l'importation de pièces de rechange qui, par ailleurs, ne sont pas prélevées dans la plupart des pays. Pour prendre en compte les attentes des opérateurs du secteur aérien, en droite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, le gouvernement a levé les options suivantes. La réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 à 8% sur le tarif du transport aérien. L'allègement des droits des douanes à l'importation de pièces de rechange des aéronefs ayant leur port d'attache en République démocratique du Congo. La suppression de la structure des prix des redevances sécurité et sûreté perçue par l'autorité de l'aviation civile et la régie de voies aériennes. La réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation des aéronefs de 70 000$ à 10 000$ américains. Ces efforts du gouvernement ont abouti à une réduction supplémentaire de 40$ sur tous les trajets. Par conséquent, le prix de principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45 et 70% selon les itinéraires. À titre illustratif, un billet Kinshasa-Goma coûtera moins de 200$ au lieu de 340$ américains. Et celui de Kinshasa-Gbadolité se négociera aux alentours de 150$ au lieu de 480$ actuellement. Ces résultats seront sanctionnés par les textes juridiques appropriés que le ministre de l'Économie nationale soumettra incessamment aux instances gouvernementales pour approbation. Le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Toujours sur ces chapitres 4 de l'examen de dossier, le deuxième point a concerné la situation de produits surgelés d'importation vendus sur le marché de la capitale. Sur la même lancée, le ministre de l'Économie nationale a également fait le point sur les concertations similaires avec les opérateurs du secteur de produits surgelés dans le but de nettoyer la structure de prix de ces produits de grande consommation pour aboutir au prix juste. Sur base des éléments recueillis et des déclarations faites par les opérateurs économiques, ainsi que les informations obtenues sur le lieu d'approvisionnement en Namibie, l'analyse faite au niveau du ministère de l'Économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers non incorporables dans les structures de prix qui les surchargent sensiblement et amenuisent par conséquent le pouvoir d'achat de la population. Les calculs faits par le ministre de l'Économie nationale, élaguant toutes les incohérences, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs lors de ces différentes concertations. Les prix suivants devraient être appliqués pour les produits importés sur le marché de Kinshasa. Ainsi, un carton de cuisses de poulet coûtera moins de 10$. Un carton de poulet entier coûtera moins de 10$. Un carton de côte de porc coûtera moins de 20$. Un carton du poisson communément appelé Thompson, Chinchard, 16+, coûtera moins de 20$.
En considération de ce qui précède, les mesures suivantes ont été arrêtées par le gouvernement. L'application des prix issus de concertation entre le ministre de l'Économie nationale et les opérateurs économiques du secteur de produits surgelés. Une mission urgente sera dépêchée en Belgique auprès de la société Pluvera en vue de vérifier les valeurs FOB de volailles exportées à destination de la République démocratique du Congo. La levée des barrières routières irrégulières qui surchargent inutilement les prix de produits de première nécessité. La rationalisation des prélèvements parafiscaux dans la structure de prix de produits de première nécessité. La redynamisation du comité de suivi de prix de produits de première nécessité pour un suivi de proximité. L'application scrupuleuse de la réglementation sur les services habilités à exercer aux frontières conformément aux décrets-loi en vigueur. L'extension des travaux de rationalisation de structures de prix aux autres denrées alimentaires produits localement. Le Conseil des ministres a également approuvé ces dossiers. Cinq et dernier point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au Conseil des ministres le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une période de 15 jours prenant cours les 6 juillet prochains. Ce projet a été adopté. Commencé à 10h50, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h17. Je vous remercie.